Yo tout le monde, c'est Rare Saphir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Defender 2 pour vous parler un petit peu et pour vous faire une petite annonce sur ma chaîne YouTube, donc une petite série que je commence dès aujourd'hui. Donc normalement il y aura déjà deux épisodes de Defender 2 qui seront sortis entre temps. J'ai fait quelques stages là, je vous ai gardé un petit peu le principal pour le boss tous les 10 niveaux, donc je vous garde ça. Sinon, les battles, ça va être le principal à chaque fois de ma série sur Defender 2. Donc ça va être le boss du stage. Et en battle, ça va être la série. Donc on va faire des séries battles sur Defender. Donc on va tout de suite commencer d'abord avec le local sur le level 19. Et après, il y aura le grand. Si le son... Je sais pas, le son, il est bon pour moi. Enfin, peut-être pour vous, je sais pas s'il est trop fort. Dites-moi en commentaire. Donc... j'espère que la vidéo vous plaira, il y a des moments où je parlerai pas, je serai concentré. Donc excusez-moi d'avance. Hein. Bon, et j'espère que mes autres vidéos vous auront plu. Hop. Parce que j'en ai déjà sorti deux sur Defender. J'en ai sorti une aussi sur Agario, mais je ne continuerai pas Agario. Hein, je vous rassure, hein, c'est pas pour moi Agario sur portable. Donc sinon j'ai commencé Clash of Clans grâce à un abonné. Je vais pas dire son nom parce que je me suis entraîné à le dire, donc il y a trop de numéros. Donc je vais dire juste les trois lettres, donc c'est GTA et après en 05 je crois et ça finit par 48. Bon voilà, désolé si tu te reconnais, tu te reconnaîtras. Donc voilà. On a fini. Désolé aussi pour ça là, les petites pubs qui s'affichent, je peux rien y faire. Donc voilà. Donne-moi mon XP, merci. Donc là on va faire un... Hop, ça je me... Je veux bien me virer en fait, s'il te plaît. Non. Désolé. Hop, on s'en fout. T'es gentil, merci. Non, je sais pas comment on fait pour virer le truc en bas à gauche. Voilà, c'est fait. Donc donc voilà, donc merci à toi GTA et quelques numéros pour m'avoir dit de commencer cette série. Donc elle va paraître bientôt sur la chaîne YouTube, hein. Le temps que je démarre un petit peu, j'ai déjà un peu démarré mais je crois que quand même m'avancer un minimum. Donc principalement ce sera juste des combats aussi dessus, hein. Je vais vous dire la série, hein. c'est Clash of Clans. Donc ouais, c'est déjà fait par je sais pas combien de personnes. Mais bon, voilà, ça peut être bien aussi que ce soit fait par des petits youtubeurs. Ça se trouve, la vidéo sera mieux que d'autres. Ouh, ça fait mal, mais ça va. Ok. Ouh, j'ai chaud à ce coup-ci. Boum. Ah, donc là j'ai oublié, j'étais un peu bête. Le boss arrive. On va servir de ça pour le reculer. Donc là on devrait pas avoir trop de problèmes, il va nous toucher, hein, ça c'est tu. Ça c'est. Ah, boum. Donc normalement on va le win. Et voilà, on a gagné avec un peu plus de PV que la dernière fois ce coup-ci. Pour le dernier boss, nous restait 18 PV je crois. Donc c'était pas... Donc voilà, donc là on a gagné pas mal d'XP. Voilà, 51 kills, les 51%, bonus 441 pièces et 3 cristaux. Ça fait plaisir. Donc entre temps ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai augmenté un petit peu l'or. J'ai rien fait d'autre sinon. Et j'ai juste... dégage, voilà. J'ai juste acheté l'arc fantôme level 2, donc qui a un de force de plus, un d'agilité et un de fatal blow, donc une flèche plus puissante qui fait double damage, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, après il y a les petits trucs. Hein. Bon, ça, de manière, je prends pas, moi je prends que ceux du bas. Donc, oui! J'avais pas vu, il y a le Final Fantasy. C'est le tout dernier. Yes, c'est le tout dernier. Auto upgrade, current ability, strength 2, agility 2.
Multi. Bon, il a l'air de faire quelque chose de pas mal celui-là. Hein. Ça, je vous le cache pas. Hein. Il a l'air de péter des fêtes. Hein. Bon, après, la City est toujours au niveau 2. Le mana est toujours au niveau 2. Je pourrais le up, hein, mais j'attends un petit peu quand même. Je sais pas, j'aurais bien essayé un autre. On verra plus tard. Si vous connaissez le jeu, dites-moi lequel c'est le meilleur. Hein. Même si c'est pas un jeu très connu. Donc là, j'ai fait une petite erreur. J'ai relancé un stage, donc c'est pas grave. Hein. On partira en battle juste après. Ah, ça y est. Stage 21, les petits trucs qui tirent de loin sont apparus. C'est pas grave si on se fait touche. Ah ouais, là par contre là on va mourir, là on va décéder beaucoup beaucoup beaucoup. Surtout quand ils viennent à pas mal comme ça. Et donc là le jeu il est dans l'excès un petit peu, ah bah oui. Heureusement que ma tour, enfin ma situation a de la vie. Là il était grave dans l'excès le jeu. Bon, on voit quand même que ça score un minimum, donc on va bientôt passer de level 6 au passage. Ok vraiment. Moi je serais pour qu'on s'achète. On va s'acheter un petit truc. Le glacial, je pense. Et puis. On va s'augmenter le mana. Non, je veux pas acheter. Hop. Donc, mana. Ça, il faut quoi? Multiple arrow. Level 3. On va augmenter la city wall. Ouh, Tower Magic. C'est pas mal tout ça. Hein, ce qu'on peut faire. On va prendre peut-être la lave. Voilà. Ouais, on fait quelques trucs. Ouais, donc là on peut dire qu'on a bien dépensé tout. Mais je pense qu'on s'est plutôt bien up. Donc maintenant on va pouvoir partir en battle. Donc je pense qu'on va tous se les. Hein. Comment ça a amélioré là? On est plutôt pas mal. Donc, déjà j'ai 42 mana de plus que lui. Donc on peut voir qu'on peut. En fait, je pensais qu'on pouvait en utiliser que un de pouvoir spécial. Mais apparemment on peut en utiliser deux. Donc après j'achèterai le troisième, le lighting. Ou sinon je continuerai d'économiser pour upgrade. Pour débloquer ce d'après. Désolé pour ce moment où vous avez rien entendu. Donc lui c'est déjà fait un peu plus touché que moi. Ok d'accord. Donc ça sert à ça. Ça sert à bloquer les ennemis, donc ça peut être intéressant pour le boss qu'il y a dans le stage. On se passe à toucher. On est pas mal là, on est pas mal, on se fait du blé. On gère plutôt, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. On va faire jusqu'à ce que. Voilà. Jusqu'à ce que. Voilà. J'aurais décidé. On a à peu près à 10 minutes de vidéo, je pense. C'est pas excessif non plus. On a déjà fait une vidéo de 15, une vidéo de 10. Donc peut-être on va faire des 20 minutes aussi. En tout cas, lui, c'est bien fait toucher par rapport à moi. Il a la lave aussi comme moi. Et lui il est en train de se faire bien allumer.
là on est bien en le maintenant. On a perdu, mais bon. Désolé, j'ai pas parlé. J'étais encore très concentré. J'ai pas parlé, mais j'ai tenu quand même très très longtemps, je pense. On s'en fout. Voilà, j'ai tenu. Voilà. J'ai tenu quand même pas mal. On a upgrade. Donc 113 d'XP, c'est beaucoup. Donc, franchement, là, on se met plutôt bien. On a gagné pas mal de ce qu'il fallait. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter la Fatal Blow. Donc il faut la mettre niveau 3 pour avoir la multi-arrow. Power Shoot level 3 que j'ai même pas encore acheté. Non, ça peut se faire, ça peut se faire. Désolé aussi si ça vibre. Pour remercier, je sais plus si je l'ai dit déjà dans une de mes vidéos. Mais je remercie Gamer01 pour m'avoir donné cette application qui me permet de faire des vidéos de qualité. Et vous voyez pas mon doigt sur l'écran. Comme avant sur Clash Royale, maintenant quand je ferai des vidéos sur Clash Royale, ça me fait voir plus normalement. Donc voilà. Juste pour faire une petite dédiée à toi. Merci, c'est génial ce logiciel, enfin ce logiciel, cette application. Donc je mettrai le nom de sa chaîne en description et puis en vidéo j'irai faire un petit tour dessus sur sa chaîne. Comme ça pour lui faire une petite pub parce qu'il mérite, il m'a aidé, à moi de lui donner un coup de pouce. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, donc c'est Gamer01 tout simplement. Donc ça me fera plaisir que vous y allez et que vous y abonniez et que vous regardiez ses vidéos et les miennes. Et puis lâchez un max de pouces bleus aussi. Ça nous ferait énormément plaisir à tous les deux je pense. N'hésitez pas à aller faire un petit tour à la fin de cette vidéo. Voilà. Sinon, par rapport au. Je suis en battle. Ah, j'avais pas vu. Ouais, j'étais en stage. Sinon, par rapport au. À cette série, donc le rythme de diffusion, ce sera. Ça sera quand j'aurai le temps, j'ai envie de dire, mais je pense tourner à voilà quoi, un petit peu de vidéos par semaine, on va dire 3 vidéos de Defender par semaine, ou 2, 2 ou 3, ça dépendra. C'est sûr qu'il y en aura le mercredi. Ah. On est un peu dans la merde. Hein. Là, je pense qu'on a perdu. Tout n'est pas joué, tout n'est pas joué. Donc j'ai perdu, lui il devrait pas tarder non plus à décéder, ouais, parce que avec ce qui arrive sur lui, franchement il a plus de mana non plus, voilà, il a perdu, il aura pas duré beaucoup plus longtemps plus que moi, donc il aura duré il aura duré quelques secondes de plus que moi, mais c'est ces quelques secondes qui feront qu'il m'aura battu, donc GG à lui, même si je connais pas hein. On va acheter le power shoot. On va faire d'autres battles encore. On est qu'à 15 minutes de vidéo, je pense qu'on va faire un petit peu. Donc c'est pas mal le power shoot. Hein. On voit que ça fait reculer les ennemis. Et ça les fait reculer à chaque flèche. Donc ça c'est bien.
Donc ça les empêche un petit peu de tirer, j'ai l'impression, hein, ceux qui sont de loin. Donc le fatal aussi, c'est pas mal, la flèche qui fait un peu plus de dégâts. Donc par rapport à lui, moi j'ai 20 mana de plus. Je peux recharger quand même avec des cristaux notre mana. Lui aussi là, le truc qui fait reculer à ce que je vois. Donc c'est pas. On est un peu pas pareil, sauf que moi j'ai un peu plus de mana. Je pense que c'est le mana qui compte le plus hein, pour moi. Donc là on va remonter un petit peu le mana, on va être égalité au niveau du mana. On va dire que ça m'a permis d'attaquer une fois de plus que lui. Donc là on est qu'à 1 minute 30, ça va se forcer au bout de 2 minutes hein, je pense. Pour l'instant ça c'est peinard, j'ai envie de dire. Donc je reviens vite fait à mes rythmes de diffusion. Ça va être hop, voilà. Ça va être donc Defender, ça va être 2 à 3 vidéos par semaine, je pense, ou plus. Ça dépend de mon envie à faire la vidéo ou pas. Il est en crise de mana, hein. Il est un peu comme moi. Moi j'en ai quand même un petit peu. Boum. Pour les deux. On voit que lui a perdu, hein. Moi je vais pas perdre. Voilà, je suis mort. Pas beaucoup après lui non plus, hein. Je sais plus, on devait être à quelques minutes. Voilà, on est. J'ai fait 12 secondes de plus que lui. Désolé pour les pubs, encore une fois. On voit 12 secondes de plus que lui. Voilà, ça permet quand même de me faire pas mal d'oseille. Donc, on va peut-être retourner un coup sur le stage et puis on terminera sur le stage et puis voilà, et puis après on se retrouvera pour une nouvelle vidéo de sûrement d'un autre jeu. J'ai pas encore eu vos retours par rapport à mes propositions pour je sais même plus si je voulais poser comme question, donc pour me dire vos jeux que vous voudriez que je joue. Donc GTA qui m'a proposé de faire Clash of Clans, donc on va le faire. Clash of Clans, après ça dépend aussi du rythme des vidéos. Donc voilà, ça va tout dépendra. Je pense que la chauffe-flon, en fait, le nombre de vidéos, ça dépendra de chaque semaine, en fait, selon le travail que j'aurai à faire moi chez moi. Et donc, j'ai des cours aussi, donc voilà. En plus, j'ai le brevet la semaine prochaine, donc. Alors que je révise un peu, donc la semaine prochaine, vous attendez pas à beaucoup plus de vidéos. Ce sera justement l'inverse, beaucoup moins. Donc là, je profite un petit peu, et puis la semaine prochaine, ce sera révision à fond. Voilà, donc stage 22 terminé. J'ai perdu 3% de vie, c'est pas excessif. Encore 2 cristaux en plus. Donc on est level 6 à la moitié, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo de Defender 2. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu de vous faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, un maximum de commentaires par rapport au jeu que vous aimeriez bien que je fasse. Et si vous avez des questions à me poser sur ce jeu là ou sur d'autres que je connais, hein, d'autres jeux, ben vous me posez les questions, moi je vous y réponds si je sais, sinon j'essaierai d'aller me renseigner pour vous. Voilà, un max de pouces bleus, un max de commentaires, partagez si vous pouvez par exemple à vos amis et tout votre entourage, sauf vos parents bien sûr,
Hein. Je sais pas s'ils regarderont mes vidéos, mais je ne pense pas. Et sur ce, Star Wars Saphir, allez, peace tout le monde.